皆さんこんにちは。私は日本の沖縄の白家フェロシップチャーチの伊藤よしこと申します。 Hello everybody, I'm Pastor Yoshiko. Bonjour tout le monde. Je suis Pasteur Yoshiko de Chito dans une église à Okinawa au Japon. J'adore le nom de notre époux Jésus. Nous sommes vraiment si reconnaissants au Seigneur de pouvoir grandir dans notre relation et nos prières avec tous les canaux de toutes les nations. Au travers de cette pandémie du corona, je crois que le Saint-Esprit nous parle encore plus profondément que ce qu'il n'a jamais fait. Quand je vois la société que les mains humaines ont créée être détruite si facilement et si fragilement en un instant, je sens que le domaine de l'esprit vraiment agit d'une façon comme énorme, comme ça n'a jamais été le cas auparavant. Les ténèbres sont plus sombres, mais la lumière brille encore plus glorieusement. La différence entre les ténèbres et la lumière, entre la gauche et la droite, devient indéniable. Le temps est venu pour l'œuvre du Saint-Esprit, mais aussi des démons pour venir exercer leur action. La sanctification de Dieu a commencé et j'ai l'impression que c'est comme si nous pouvions entendre les premiers pas du Seigneur qui revient. Le temps de Dieu est en train d'avancer de façon constante. Nous devons rechercher la face du Seigneur et nous aligner nous-mêmes à son cœur. Nous devons assembler la famille de Dieu et établir son royaume sur la terre par la grâce du Saint-Esprit. Dans cette nouvelle ère, nous avons besoin de l'amour de Jésus, de la bonté du Père et de la puissance du Saint-Esprit plus que jamais auparavant. Recherchant la personne du Seigneur, l'Église de par le monde comme le corps de Christ doit devenir un. Comme une seule épouse, nous devons devenir l'épouse qui apporte le plaisir à son époux, Jésus-Christ. Je désire réellement que le Japon devienne la ceinture d'amour pour amener un réconfort à toutes les nations. Maintenant, nous sommes au seuil de la plus grande moisson spirituelle pour le Japon et pour le monde. Le Japon restera debout dans son appel comme une mère et rejoindra chacun, amenant chacun à se joindre au cœur du Père en disant « Bienvenue à la maison ».
Par-dessus tout, notre désir pour le Japon, pour qu'il aide d'accomplir son appel comme une épouse guerrière dans ces jours, ces derniers jours. Je prie vraiment que nous puissions accomplir cet appel merveilleux en nom du Seigneur. Nous sommes la famille, chère famille du monde, nous vous aimons avec l'amour de Jésus. Nous sommes un seul corps, un seul cœur. Nous sommes tellement reconnaissants que nous sommes une seule famille avec vous dans notre Père merveilleux. Merci tellement.